Eh bien bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans mon chalet. Et oui, parce que je vais vous dire deux trois choses, donc voilà. Et puis j'y suis pas souvent, je vous le montre pas souvent en détail et tout, alors du coup bah je vais vous le faire voir. Voilà, et puis après on va aller faire un petit tour de l'élevage aussi. J'ai vu aussi qu'on était bientôt aux 100 abonnés. Voilà, il manque 11 abonnés si je dis pas de bêtises. On est aux 89, on est 89 abonnés sur la chaîne. Donc voilà, ça manque vraiment très très peu d'abonnés. Donc voilà, ça me fera un grand merci, ça me ferait un grand plaisir qu'on passe cette barre des 100 abonnés. Voilà, ici on a les poussins qui essayent de rentrer. Mais bon, je veux pas. Donc voilà, là j'ai nettoyé en plus parce que les poules, il y a une nuit, elles ont réussi à dormir là. Voilà. Donc là j'ai ma fenêtre, que certainement vous l'avez déjà vue. Enfin, donc voilà. Elle est pas. Là il y a la poubelle qui gêne un peu, mais voilà. Sinon on peut l'ouvrir entièrement. Là il y a ma botte de paille que je mets là, que j'ai oublié de rattacher les ficelles. Donc du coup les poules, bah, dès qu'elles viennent là, elles débarquent tout. Dessus je mets ça. Je mets ma caisse. Je mets ça aussi, mais là je l'ai pris parce que j'ai renversé de l'huile sur le tabouret qui est en dessous. Il y a une pince aussi. Là il y a la poubelle avec le blé. Attention. Avec le maïs, excusez-moi, je crains de faire quand même quelque chose. Voilà. Là, il y a ma petite poule noire, Harpington. Et puis là, on a les parcs. Donc là, il y aura le parc de Barbu d'Anvers, couleur caille. Le parc d'Harpington de Jojo gris-gris, fauve, argenté et lavande. Voilà. Donc voilà. Sors de la tour. Ah, juste refermer un peu la fenêtre parce que sinon elle rentre. Hop, on va aller dehors du coup. Ah si, j'ai aussi, bah, y a le... Attendez, j'ai refermé la porte parce qu'il y a le soleil. Donc là, il y a... On tourne là. Tac, bon, c'est un peu plein de poussière, mais voilà. C'est un pouvoir. C'est rien. Hop là. Donc voilà. Le petit pont noir, maintenant on va aller faire une nouvelle de l'élevage en même temps. Voilà. Là, je ferme. Donc ici bas, ils ont réussi à sortir le sac qui était là-dedans. Vous voyez. Et la porte devait être ouverte. Donc, je vais le foutre là. Donc ici on a le coq. Voilà. On a l'autre coq Orpington. Là on a une poule blanche. Un autre coq Orpington. Mon gros père. La poule Orpington fauve. La femelle qui est à vendre. Que je vais mettre avant. Le mâle. Le mâle coureur indien. La poule Orpington bleue. Là, une poule blanche. Une autre poule blanche. Jojo. Le jardinier. Le roi de Guinée. Croix blanche. Comme toi. Et normalement, là, à l'intérieur. Ah, voilà. Donc il y a la femelle coureur indien, le mâle rouan, la femelle rouan, le coq Orpington fauve et une poule blanche. Après ici, on a mon coq chien d'être argenté qui est en vente. Voilà, qui est à vendre. Comme vous le savez tous. Et là je l'ai vraiment mis sur le bon coin, donc voilà. Donc là il y a ma cuve de 600 litres. Que je vais mettre quand je vais partir en vacances. Quand je pars en vacances, je la mets, ou quand je pars en week-end. Là, elle va aller à la déchetterie parce que vraiment, elle sert à rien. Voilà. Et puis, bah voilà, la cabane là qui est là, on va la mettre là. Pour les canards, je vais l'aménager dedans en faisant des nichoirs dedans. Genre, je vais faire le couloir là. Genre. Et là, je vais mettre des portes sur chaque côté, puis je vais faire des trous là pour pouvoir que les canards d'ornement bah ils rentrent en fait et ça va leur faire des petits nichoirs. Donc voilà. Aussi bah n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, je vous les répondrai dans une vidéo spéciale. Voilà, c'est une genre de FAQ que je lance. Aussi pour les 100 abonnés, il y aura peut-être une surprise, je crains de me renseigner un peu. Mais pour l'instant, il n'y a rien de prévu parce que franchement, tout ce que je fais, personne ne veut. Enfin, j'aimerais bien passer un partenariat pour les 100 abonnés, mais j'arrive pas à trouver avec quoi.
Avec un truc de poule, mais enfin quoi, je sais pas encore. Donc on verra bien. Donc je pense que cet après-midi, les oies et les canards et tout, je vais les lâcher dehors. Bon, ils vont aller pouvoir aller manger de l'herbe et tout un peu partout. Ça va être cool. Et puis donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Puis n'oubliez pas que c'était qu'on est pratiquement aux 100 abonnés et ça me ferait vraiment plaisir. Alors partagez, surtout partagez, likez parce que c'est un gros remerciement pour moi. Et je vous dis bye, c'était l'élevage de Lucas.